Pourquoi tu m'appelles pas quand je te laisse des messages? Pourquoi tu me rappelles pas? À chaque fois, je t'appelle toute la journée, tu me réponds jamais, je comprends pas. Le soir, t'es jamais disponible, t'es devant ton ordinateur, tu travailles sur tes recherches, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression, à chaque fois que je t'appelle, que je t'emmerde? J'ai l'impression que je vis pas, que j'existe pas. Mais putain, réagis, pourquoi tu me réponds pas? Répondre comme ça. J'ai l'impression je sais pas, d'être un poids. Je peux pas te répondre maintenant. Moi, j'ai besoin de temps, j'ai besoin d'espace. Là, je peux pas te répondre. Tu prends toute la place, quoi. Voilà. Moi, je prends toute la place. Oui. Oui, toi. Je t'ai déjà dit que même si je fais rien, j'ai pas besoin de tout le temps être là, quoi. Avec toi dans la même pièce. Alors pourquoi tu te casses pas? Pourquoi tu restes avec moi? Ça sert à quoi de me dire ça? Pourquoi tu restes avec moi? Je comprends pas. Moi j'ai pas le courage de te quitter, j'arrive pas. Il faut que ce soit toi qui prenne la décision parce que moi j'arrive pas. Je m'accroche à quelque chose, j'en sais rien, je sais pas quoi faire. Il faut que tu réagisses là, c'est pas possible. Mais non, mais pourquoi tu t'en vas? Reviens, j'en ai marre, pourquoi tu réagis pas? Moi, je suis sa vie et j'ai l'impression d'être étouffée. Et il faut faire quelque chose. Je suis en danger là, en fait. Ma petite, nous viens avec moi. Viens avec moi. C'est mon tour de t'avoir. De me déchirer dans tous les sens, là. Lâche-moi! Mais non, je suis très gentille, moi. T'es très gentille, mais tu m'étouffes. Mais alors, comment je peux faire? Je t'étouffe pas. Je peux pas te le dire. Si tu veux, je t'appelle pas. Je peux t'appeler un peu moins souvent. Écoute. Je t'appelle qu'une fois par jour. Si tu veux. Mais je suis là. Mais j'ai besoin que tu me laisses là.